pecho acelerar y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Me tiene loco. Tais-toi, sauvageonne. Tais-toi. Tu veux quand même pas qu'on fasse un scandale ici à ton travail? Où tout le monde croit que tu es sage comme une image. Lâche-moi. Minable. Non, non. Roberto, je vais te castrer pour que tu apprennes à être un homme, chut, tu entends? Tais-toi. Camilla, ça va aller. J'ai pas dit mon dernier mot, maudite garce. Tu vas aller tout droit en prison, sauvageonne. Ça, tu vas me le payer. Ah. Tu as 3 minutes pour partir d'ici et pour ne plus jamais revenir. 3 minutes. Tu as petit déjeuner? Tu veux manger quelque chose? Bien. On a eu l'idée de se réunir ici pour pouvoir discuter. Je n'ai absolument rien à dire du tout. Vous savez, cette femme que vous avez engagée, elle a déjà essayé de me faire cracher le morceau. Et elle a échoué. Donc s'il vous plaît, laissez-moi partir. Ça veut dire que tu connais ma chère amie Myriam. Je savais bien qu'elle m'avait trahi. Bon, puisque je n'ai rien pu lui soutirer à elle, alors à présent, il va falloir me dire à moi... toute la vérité. Mais quelle vérité? De quoi parlez-vous? Je veux savoir exactement ce qui s'est passé là-bas où mon neveu a été tué. Marco s'est suicidé, affaire classée. Cette affaire sera classée quand moi, je l'y déciderai. Et ce sera quand ton vaurien de père ira pourrir en prison pour assassinat. Comporte-toi bien, mon grand. Parce que je ne veux pas perdre patience. Quand les gens me mentent, comme tu es en train de me mentir... je sors de mes gonds. On va se calmer. Reprenons depuis le début, ok? Où est-ce que tu te trouvais quand mon neveu a été tué? J'étais allé chercher des cordes pour l'attacher. Mon père était resté avec lui. Vous voyez? C'est bien, non? Bien! Bravo, bravo, ça me plaît, car c'est en parlant qu'on comprend mieux les gens. Continue.
car tu es sur la bonne voie. Il y a un homme qui est en train de faire chanter Camilla, monsieur. De faire chanter Camilla ? Camilla n'a pas les moyens de payer un chantage. La faire chanter avec quoi ? Qui ? C'est un homme que... qu'elle a connu quand elle vivait encore dans la rue. Avant de... d'arriver à l'orphelinat et d'être placée sous mon aile. Elle avait environ 12 ans et... Faites-moi confiance, ma mère, faites-moi confiance. Tenez, car moi je peux vous aider. Merci. Allez. Mais monsieur, si Camilla apprend que je suis en train de parler avec vous, elle sera extrêmement fâchée après moi, croyez-moi. Eh bien, vous savez, cet homme dit que... Camilla est une assassin. Et qu'en pensez-vous, ma mère ? Vous croyez que c'est vrai ? Non, non. Non. Je ne crois pas, non. Mais... la vérité est que... je suis très angoissée. Parce que je crois que derrière tout ça, il y a autre chose de plus grave. Bien autre chose. Autre chose comme quoi ? Patron, quand vous pourrez, c'est urgent. Mais Rosario ne m'a pas demandé la permission de sortir. Chila, toi et tes histoires. Xavier m'a juste proposé d'aller boire un café. Je te promets que tu rentreras saine et sauve, Rosario. Oh, comme c'est mignon tout ça. Je te donne la permission, d'accord. Mais va l'attendre dehors, s'il te plaît. Parce que je dois d'abord donner quelques instructions à ma sœur concernant certaines petites choses. Ciao, ciao, sors, ciao. Sors. Tu es long à la détente, toi. Frangine, comment peux-tu penser sortir avec cet homme comme ça, s'il te plaît. Arrête de prendre ces airs de sainte Nitouche. Ne les écoute pas, sois juste toi-même, Rosario. Non, ne sois toi-même pour rien au monde. Frangine, il faut te remaquiller pour que tu retrouves cette peau fabuleuse que tu avais sur ta carte d'identité. Et mon amour, une chose encore, comporte-toi bien. Sois fine, fine. Souviens-toi que cet homme est un Lopez Mendes. Ah, et sois sûre de toi, Frangine. Souviens-toi avant tout que tu es une dame. Dépêchez-vous un peu, car vous allez effrayer cet homme. Tais-toi. Je ne peux pas te mentir. Si je ne te disais pas ce qui est en train de m'arriver, j'aurais l'impression d'être fausse. Hein? C'est que Sébastien est venu ici pour me dire qu'il était inquiet pour moi parce qu'il pense que tu es en train de jouer avec moi. Mais moi, je pense qu'en réalité, il est jaloux. Il est inquiet. Amelia, il n'a aucune idée de la manière dont je te traite, à moins que toi, tu lui aies dit. Et... jusqu'ici, je me suis toujours comportée en gentleman, non ? Oui, oui, je sais, je t'en remercie, Axel, vraiment. Mais le fait que Sébastien soit venu ici pour me dire qu'il est jaloux de toi me laisse un espoir. Laisse-moi voir si je te comprends bien, là. Est-ce que t'es sérieuse ? Ah, Axel, j'aimerais vraiment que cet amour soit réciproque, mais je ne peux pas. J'aime Sébastien. Et si je l'ai attendu tout ce temps, je vais d'autant moins cesser de l'aimer à présent. Tu sais quoi, Amelia ? Laisse tomber. Bonne journée. Allez. Dis-moi tout. Après que tu es allé chercher la corde pour attacher mon neveu, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Je suis tombé sur mon frère Max. Et on a entendu un coup de feu. À ce moment-là, on s'est précipité là-bas. Et c'est là qu'on a trouvé Marco mort d'une balle dans la tête. C'est faux ! Tu sais très bien que c'est faux ! C'est ta saleté de père qui a tué mon frère ! C'est ton père ! Tais-toi et calme-toi ou tu t'en vas. Alors, si mon neveu était déjà mort, pourquoi avoir touché à l'arme ? Pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas par curiosité. Arrête tes bêtises et dis la vérité, parce que la prochaine fois, je stopperai pas Roger, ok ? Tu sais ce que je crois, moi, et corrige-moi si je me trompe. Tu as touché à ce pistolet pour le replacer afin que ça ait l'air d'un suicide. Parce que quand ton père a tué mon neveu, il n'avait pas fait les choses de façon correcte. J'ai raison ? Non. Ça s'est pas passé comme ça. Et comme tu es un bon garçon, et ça n'est pas du tout de ta faute, tu as voulu aider ton père pour que de cette façon, eh bien, le pistolet soit placé de façon correcte. C'est bien ça, non ?
Allez, parle, parce que Fernando a raison. Quand mon neveu Roger se fâche, il se transforme en taureau et sache qu'il devient alors incontrôlable. Et il serait dommage, mon Dieu, qu'un garçon aussi jeune que toi meure ainsi, si subitement. Écoutez, ma mère. Même si Camilla avait véritablement tué un homme, chose que je ne crois pas qu'elle ait faite ni qu'elle fera, Camilla n'ira pas en prison. Laissez-moi m'en occuper. Faites-moi confiance. Merci. À vous, monsieur. Mais je veux que vous sachiez que... si tout cela s'avérait vrai, si la vie avait obligé notre Camilla à commettre un acte aussi horrible que celui-ci, c'est justement à cause de ça. Parce que la vie, par ses injustices, l'a obligée. Et non pas parce qu'elle ressentait de la haine au fond de son cœur, monsieur. Oui, Mère Isabelle, je suis d'accord avec vous. Alors, ne vous faites aucun souci. Merci. Allons-y, ma sœur. Qu'est-ce que tu veux, Santiago ? Il s'agit de ce type qui se fait passer pour le mari de Camilla. Je l'ai surpris au dépôt en train de vouloir abuser d'elle. Je veux avoir ce type juste en face de moi. Alors pars, me le chercher sur le champ, et emmène-le dans un endroit où nous serons seuls, lui et moi. C'est bien clair, hein? Oh, quelle émotion! T'es très jolie. Non, non, jolie, non. Splendide, splendide. Oh, Frangine, viens ici. Oh, ma jolie petite sœur, toi, sois fine. Tu m'as bien entendue? Fine, comme moi. Et attention à ne lâcher aucune bêtise, s'il te plaît. Mm-hmm. C'est clair? Répète-le. Je serai fine. Très bien. Comme moi. Oui, comme moi. Oui, comme toi. Comme toi, sans lâcher aucune bêtise. Très bien, c'est ça. Heureusement, tu apprends vite. Comme moi. Wow, tu es superbe. Oh, n'exagère pas non plus, Lopez Mendez. Elle est très naturelle. Juste un peu de poudre et voilà. On y va? Ça ne va pas, Camilla? Pourquoi t'es comme ça? Roberto! Roberto! Quoi? Il a voulu abuser de moi. Quoi? Il m'a attrapé de force. Et il a voulu me violer. Comment ça? Dis-moi, où est ce type? Non, arrête. Attends. Attends, attends, attends. Je te rassure, tout va bien. Santiago est arrivé, il l'a attrapé et il lui a donné une telle raclée que ce type n'osera plus jamais s'en prendre à une femme de sa vie. Ça m'est égal, Camilla, je vais le tuer. Dis-moi où il vit. Dis-moi où il vit, Camilla, dis-le-moi maintenant, allez. Là où il peut passer la nuit, dans une chambre en ville, je sais pas, Max, je sais pas où il vit. Mais calme-toi, s'il te plaît. Je t'avais jamais vu comme ça, Max. Je vais aller retrouver ce sale porc et je vais lui faire payer pour tout le Max, mal qu'il t'a fait, Camilla. Je jure que je vais bien. Je vais bien, écoute, je vais bien. Je te jure que je vais bien, ce type est parti. Santiago l'a renvoyé d'ici. Est-ce que t'en es sûre, Camilla? Oui. Allez. C'est bon. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Allons, jeune homme, le temps passe. Et mon neveu Roger est en train de perdre patience. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vérité. Juste la vérité. Mais je vous ai tout dit, je vous ai tout dit de ce que je savais. Ce n'est pas suffisant. On a besoin de plus de détails, de détails. Ce genre de détails qu'on peut utiliser comme preuve devant un tribunal. Je n'étais pas présent. Je n'étais pas présent. Mais tu as bougé l'arme parce que tu savais que ton père avait tué mon neveu. Tu voulais le protéger. Ça s'est pas passé comme ça. Si, c'est certain. Parce que toi-même, tu n'as pas cru à cette histoire de suicide. Parce que si la police était arrivée et qu'elle avait vu le corps et l'arme tels qu'ils étaient placés, ton père serait allé tout droit en prison. Non. Non. Si, c'est vrai. Tu as voulu protéger ton père. Et ce vaurien a voulu tromper l'équipe des policiers. Et ton père a tué mon neveu. Et toi, tu as bougé l'arme pour éviter à ton père d'aller en prison.
pas. On va le laisser un instant parce qu'il est capable de faire l'une de ses crises et alors on n'obtiendra rien. Regarde-le. Oui, oui, oui. Tu as raison. Il s'est très bien comporté. Mais j'aurais juste besoin, pour pouvoir terminer cette agréable conversation, de connaître un petit détail, une chose qui me manque. Tu pourras collaborer avec moi. Tu vois, ça me plaît quand tu décides de collaborer. Dis-moi, quand toi et ton frère vous êtes revenus avec les cordes après avoir entendu le coup de feu, ton père portait des gants? Des gants? Oui, des gants. Ces gants qu'utilisent les ordures comme ton père pour tuer les gens. Des gants! Non, mon père ne portait pas de gants. Il n'en a jamais eu, je vous le jure. Alors c'était donc les tiens? Parce que la police a trouvé des gants sur les lieux. Qui de plus ont servi de preuve suite à l'utilisation de paraffine parce qu'ils portaient des traces de poudre. Non, je portais aucun gant. Et de plus, ni Max ni moi, nous n'avons tiré. C'est exact. Puisque le seul à avoir tiré a été Marco et il s'est suicidé. Il aurait été très difficile pour lui de retirer ses gants une fois mort. Tu vois? À présent, tu sais quelque chose que nous aussi nous savions déjà. Et dis à ton père, à Ézéchiel, qu'à partir de maintenant, nous savons bien que c'est lui qui l'a tué. Je vais aller retrouver cette ordure. Et il va devoir répondre de ses actes pour ce qu'il t'a fait. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon sucre d'orge? Santiago vient de me prévenir, ça va? J'ai juste eu très peur, mais c'est fini. En plus, Mascarada va pas s'arrêter de tourner pour ça. Ne t'inquiète pas, mon sucre d'orge. Je sais déjà tout. Et je vais régler le problème. Roberto ne pourra plus jamais te faire chanter à présent. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais, toi, au sujet de Camilla? Attends que j'attrape Mère Isabelle. Mère Isabelle m'a raconté ce qui t'est arrivé, mon sucre d'orge. Et elle est venue me demander de l'aide. Parce que je suis la seule personne sur qui elle peut compter. Cette explication te convient? Où tu veux que je m'étende? Stop! Taisez-vous maintenant. N'en dites pas plus, s'il vous plaît. Écoute, mon petit sucre d'orge. Je veux juste que tu saches que lorsque Ézéchiel López Méndez aime quelqu'un, il ne juge pas et ne montre pas du doigt. Et je suis ici pour te proposer toute mon aide. On guérit le mal en lui coupant la tête. Ne t'inquiète pas, car tu n'iras pas en prison. Merci. Merci. Dis-moi, Rosario, tu as un air plutôt drôle pour être aussi silencieuse. Allez, raconte-moi ta vie. Toi, sois fine. Tu m'as bien entendu? Je suis styliste. Pas coiffeuse, parce que ça, c'est autre chose. La styliste, c'est celle qui crée un style, et c'est ce qui me plaît. Laisse-moi te raconter. Pour nous, le salon de coiffure, c'est plus qu'une affaire. C'est comme une vraie famille. On se chamaille, on se réconcilie. Et on s'amuse aussi beaucoup. Moi, j'adore la musique. Je danse à tomber par terre. Et je suis pas une de ces femmes qui ne savent pas écouter. Moi, je sais écouter, vraiment. J'adore rire et je ne supporte pas les gens aigris. T'es bien sûr que je parle pas trop? Non. Attention de ne pas dire de bêtises, hein? J'ai étudié à Londres. Oui, de hautes études. J'ai appris l'anglais, l'espagnol, l'allemand... Je suis sérieuse, j'ai failli rester là-bas, mais figure-toi qu'il a fallu que je revienne pour aider Gina aux... Dans quel état avez-vous laissé le garçon? On n'a pas touché à un seul de ses cheveux, mon oncle. On l'a ramené tel qu'on l'a attrapé. En fait, c'est clair qu'il était effrayé, il tremblait, et subitement il a fait une crise comme à son habitude, et il est resté étendu par terre en pleine rue. Ça n'est pas notre problème. L'important, c'est que cet idiot, par son attitude, a confirmé qu'Ézéchiel a bien tué Marco. Moi, j'aurais rendu Leandro mort. Parce que toi, tu agis souvent comme un idiot sans réfléchir. Je ne veux plus jamais entendre ce genre d'ânerie. Celui qui doit mourir, c'est Ézéchiel. C'est bien lui qui devra disparaître. Est-ce que c'est clair? Tu ne vas pas au bureau aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a, Amelia? Ne me dis pas que tu es retournée voir Sébastien. Non, maman. J'ai rompu avec Axel. Si bien sûr, on peut dire qu'il y avait quelque chose entre nous. Pourquoi tu as fait ça, Amelia?
Parce que j'ai l'impression de tromper Sébastien, maman. Si je suis amoureuse de lui, je ne peux pas donner de faux espoirs à qui que ce soit, j'aurais l'impression de trahir. En train de trahir qui? Un type qui est devenu prêtre sans même te prévenir. Tu n'as aucune considération à avoir pour quelqu'un qui n'en a eu aucune pour toi. Maman, comprends que Sébastien est venu ici pour me dire qu'il est jaloux d'Axel parce qu'il m'aime. Oh, arrête tes bêtises, Amélia. Tu as suffisamment la tête sur les épaules pour savoir que la vie n'est pas un simple jeu d'enfant. Tu penses vraiment que Sébastien t'aime parce qu'il t'a prise dans ses bras? Mais dans quel monde tu vis? Au fait, Ezekiel, mon itinéraire a été changé parce que des clients du centre-ville ont du retard dans leur paiement et après... Ne t'inquiète pas, mon petit sucre d'orge, ne t'inquiète pas, car toi, dans cette entreprise, tu n'as aucun compte à rendre à personne. Mascarada sera toujours à tes pieds. Alors dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que tu ne m'avais pas dit ce qui t'était arrivé? Parce que je ne voulais déranger personne. C'est pour ça. Merci pour tout, mais ça va. Tu as bien entendu, papa? Tu n'as pas besoin de débarquer ici comme le sauveur de Camilla. Parce que avant que tu arrives, on était sur le point de résoudre ça. Sur le point de résoudre ça? Et tu ne savais pas ce qui se passait. Il veut aider et il ne sait pas ce qui se passe. C'est mange quand les enfants abandonnent leurs jouets et qu'ils veulent comme ça se comporter en adulte, hein? Écoute, ça m'est tout à fait égal que tu sois mon père. Je te demande de me respecter. Non, 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 on ne va pas s'emporter. Parce qu'il n'y a rien de plus vilain qu'un enfant mal élevé en train de trépigner. Fiston, fais ce que tu voudras. Mais on verra bien qui sauvera la vie de mon petit sucre d'orge en premier. Si ce sera toi ou moi. Papa, j'ai pas envie d'être en compétition avec toi. J'ai confiance en Camilla. Et tous les deux, ensemble, on va régler ce problème. Je trouve ça très bien que tu te comportes en homme, fiston. Tu auras au moins appris ça de moi. Mais ce romantisme tiré de livres à l'eau de rose, ça ne te va pas du tout. Bon, eh bien, vous êtes tous les deux en train de parler de moi exactement comme si j'étais un objet qui vous appartenait. Et toi, Max, reste tranquille, ok? On parlera tout à l'heure. Ah, mais alors, ce que j'ai entendu dire est vrai? Vous vous seriez donc réconciliés tous les deux? Et qu'en est-il d'Astrid dans tout ça? C'est pas ton problème. Je n'ai aucune raison de te dire ce que je fais ou non de ma vie. Pauvre Astrid. Elle va très mal vivre ce que t'es en train de lui faire. Mais bon, mon petit sucre d'orge, le truc c'est que tu peux me faire complètement confiance les yeux fermés. Tu viens dans mon bureau quand tu le souhaites et tu me demandes ce que tu veux, d'accord? Parce que Ezekiel Lopez Mendez est là pour ça, pour t'aider à tout moment. Laisse-moi attraper Mère Isabelle, laisse-moi l'attraper. Je vais lui arracher les cheveux. Camilla. C'est pas possible que tout le monde sache pourquoi Roberto te fait chanter, sauf moi. Tu vas me dire ce qui se passe, oui ou non? Hé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu fais cette tête? Rien. Viens ici. Je te connais et je sens que ça ne va pas. Raconte-moi. Oh, Julia, tout va mal pour moi. Je sais même pas pourquoi je suis en vie. Je suis juste bon à faire des bêtises. Je t'interdis de dire ça, parce que tu es une bonne personne. Viens. Dis-moi tout, qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade, Julien. Je suis malade et quand papa sera au courant de la bêtise que j'ai faite, il me tuera. Une bêtise plus grosse que celle de tomber amoureuse du fils du pire ennemi de papa? S'il y a quelqu'un qui peut te comprendre, c'est moi. Dis-moi ce qu'il s'est passé. J'ai vu Fausto à Aragon. Et il m'a interrogé sur la mort de Marco. Et? Je sais pas, mais je crois que je lui ai dit des choses que cette fois-ci il va interpréter à sa manière et... Et il va les utiliser contre papa. Allez, Amélia, prépare-toi. On va à Capriccio. Maman, tu sais que j'ai tout essayé pour t'écouter et sortir avec Axel. J'ai tout essayé. On est sortis, on a mangé ensemble, on est allés au cinéma. Mais je n'arrive pas à effacer Sébastien de ma tête ni de mon cœur. Et encore moins à présent que je sais qu'il m'aime. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends de lui? Écoute, Amélia, Sébastien n'est pas marié avec une femme. Il est marié avec l'Église, il est marié avec Dieu.
Enfin, tu ne peux même pas coucher avec lui. Allons, maman, s'il te plaît, ça suffit. Je veux plus continuer à parler de ça. Ok, allons à Capriccio. Avant qu'Axel arrive avec une autre de ses surprises et tombe amoureux de moi à nouveau. Axel, ça, c'est un homme, un vrai. Père Tiziano, j'ai besoin de me confesser. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Pleine de grâce. Qu'est-ce qui te préoccupe, mon fils ? Mon père, je ressens de la jalousie. Oui, je ressens de la jalousie envers l'homme qui courtise Amélia. Je pensais que c'était juste une véritable préoccupation pour une personne que j'apprécie. Mais non. Non, mon père, un conflit est né en moi. Et ce conflit m'empêche d'être en paix. Rosa Blanco a appelé ? Non. Je suis en train d'attendre qu'elle le fasse, mais toujours rien. Moi, je prie Dieu de la faire disparaître une bonne fois pour toutes afin que la paix revienne. Elda, tu sais ce qui est arrivé à Rosa Blanco quand elle était tombée enceinte ? À vrai dire, pas vraiment, parce que tout a été très rapide et très confus. Mais je sais qu'il y a eu deux morts, un Aragon de la Rosa et un Lopez Mendez. Je ne sais pas qui a été le premier. C'est à ce moment-là que cette guerre a vu le jour entre ces deux familles. Elda, ce dont je me souviens, c'est que la police avait classé cette affaire parce qu'elle était trop compliquée. Et c'est encore le cas. Mais je suis sûr qu'un jour, on saura tout ce qui s'est passé. Rosa Blanco était là. Elle a tout vu. Elle sait qui a tué, qui, comment et quand. Voilà pourquoi il est si dangereux qu'elle revienne. Oui, c'est bon, je vais tout te raconter, je te le jure. Mais allons-nous-en d'ici. Je veux pas que quelqu'un nous entende et encore moins qu'on soit dérangé. Et je t'en prie, Max. Ne me juge pas. Et ne me condamne pas. J'ai besoin que tu m'écoutes. Et que tu me comprennes. Camilla. Je t'aime. Et tu sais que peu importe ce que tu me diras, je te soutiendrai. Je t'aimerai. Mon ami. Oh, mon ami. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un ouvrier m'a dit que ce Roberto a essayé d'abuser de toi et ça m'a énormément inquiétée. Tu vas bien? Oh, raconte-moi, mon ami, qu'est-ce qui t'est arrivé avec Roberto? Il ne s'est rien passé. Ne t'inquiète pas. T'es tellement nerveuse qu'on dirait un poulet qui s'est perdu. Astrid, on pourrait se parler plus tard, s'il te plaît. Camilla et moi, on allait sortir. Camilla et toi? Je... ne... Mais c'est quoi? Toi et Camilla, vous êtes ensemble? Astrid, je vais accompagner Camilla au commissariat pour qu'elle puisse porter plainte contre Roberto. Ah bon, ok, d'accord. Bon, alors je peux avoir l'esprit tranquille. Parce que si ma mémoire est bonne, cette demoiselle qui est ici t'a repoussé plus d'une fois. Et elle t'a même rendu ta bague de fiançailles. Vous savez quoi? Personnellement, je vais vous laisser. Je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je t'attends dehors, Max. Excuse-moi. Camilla. Max, si vous vous êtes remis ensemble, je mérite au moins une explication. Je ne veux pas penser que tu crois que je suis un jouet, que tu viens me voir seulement lorsqu'elle veut plus de toi. On en reparlera plus tard, ok? Je sais que je te dois une explication. Mais pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps. Fausto Aragon utilise toujours tous les moyens contre papa et ce ne sera pas la première fois. Tu sais, Julia, j'ai toujours eu un doute sur le fait de savoir si papa était un assassin. Mais cette fois-ci, c'est comme si j'avais mis la main sur les pièces manquantes pour comprendre cette vérité. Mais qu'est-ce que tu as dit à cet homme? Je lui ai raconté que quand Marco s'est suicidé, papa était seul avec lui, parce que moi, j'étais allé chercher Max, ce qui est vrai. Mais quand on est revenus tous les deux, c'est sûr que papa ne portait aucun gant. Il n'en a jamais eu. Et ce jour-là, la police aurait retrouvé plusieurs traces de poudre. Et à présent, ses gants ont disparu. Mais Marco avait des problèmes psychologiques. Oui, mais pas au point de se suicider devant l'homme qu'il détestait le plus. Écoute, Fausto sait qu'il y a mes empreintes sur l'arme de Marco. Parce qu'en fait, j'ai voulu rapprocher l'arme de sa main. Sinon, ça donnait pas l'impression qu'il s'était tiré dessus. Tu me comprends à présent? J'ai juste des soupçons concernant ce qui s'est passé. Ezekiel n'en parle pas, et Fausto, eh bien, encore moins.
c'est un sujet qu'on ne peut vraiment pas aborder. Eh bien, la seule chose positive qui soit sortie de tout ce chaos, c'est ma jolie filleule Camilla, si innocente. Elle ne sait pas qu'elle est en danger si cette femme qui l'a mise au monde revient. Qu'est-ce qui pourrait arriver à Camilla? Rien de bon. Et Rosa la mettrait en danger. Et la mère Isabelle le sait. Voilà pourquoi elle ne veut pas non plus qu'elle revienne. Dis-moi, pourquoi Torre Alban ne doit pas connaître les détails de ce que tu sais, toi, Elda? Pourquoi? Parce que ta femme risque bien de se retrouver en prison. Et le sujet est clos. Raconte-moi. J'ai la situation en main, patron. J'ai pu attraper ce type. Et alors pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Patron, c'est que vous savez que je n'aime pas faire ce genre de choses, parce que ça finit toujours très mal. Et de plus, le Seigneur Jésus-Christ voit tout ceci d'un mauvais œil. Tu vas pas t'en remettre à la religion, ok? Qu'est-ce que tu as fait de ce type? Je l'avais licencié de l'entreprise, mais je suis tombé sur cette ordure en train de voler dans les dépôts. Il embarquait des caisses de ce qu'il trouvait, sans se soucier de ce que c'était. Mais pour que ce type ne prenne pas peur, j'ai cherché à négocier avec lui. Je lui ai dit que je lui donnerais tout l'argent qu'il voudrait, s'il laissait Camilla tranquille. Et en guise d'appât, je lui ai montré une liasse de billets. Il a très vite mordu à l'hameçon. Il est monté dans la voiture avec moi, et le reste a été un jeu d'enfant. Parfait, Santiago. Maintenant, allons-y. Car j'ai envie de m'amuser un peu. Ah, ça a l'air délicieux. Laisse-moi y goûter, ok? Sois fine. Sois fine et fais bien attention à ne pas dire de bêtises, s'il te plaît. Tu m'en donnes un peu, s'il te plaît? Tu aimes? C'est délicieux. Maintenant, goûte le mien. Ah! Ton dessert a l'air délicieux. Je le veux tout entier. Mais comment ça? Qu'est-ce que t'es en train d'insinuer? Ah, ça faisait des années que je ne vous avais pas vu assis là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, on était juste en train de discuter un peu. Octavia, tu crois que mon père est un assassin? Vous étiez en train de parler de ça. Oui, et je veux savoir ce que tu penses. S'il te plaît, assieds-toi avec nous. Écoutez, cette histoire concernant Marco fait partie du passé. Pourquoi vous voulez savoir? Parce que ça me fiche le cafard d'être la fille d'un assassin. Les Aragones de la Rosa diront toujours qu'Ézéchiel est un assassin. Mais s'il existe bien un homme intègre et honnête sur cette planète, c'est Ézéchiel. Sinon, je ne serais pas avec lui. Et surtout, je ne l'aimerais pas autant que je l'aime. Excuse-moi, mais... Non, apparemment... c'est la dernière fois qu'on en parle. Et que vous pensez une telle chose de votre père. Moi, je suis certaine que votre père n'est pas du tout un criminel, et je peux vous en assurer. Alors soyez donc un peu fiers du père que vous avez. D'accord? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous m'avez emmené ici? Voilà ce qui va se passer, mon ami. Tu vas me raconter toute l'histoire. Depuis le jour où tu as connu mon petit sucre d'orge, jusqu'à aujourd'hui. Si tu refuses, boum! Ah. Si tu me mens, poum! Ah. Si je pense que tu es en train de me cacher quelque chose, ou que tu me racontes la moitié de l'histoire, poum, poum, poum! Et si je m'ennuie... Alors, mon vieux,
parle sur le champ et sauve ta peau. Cet idiot m'a demandé de coucher avec lui dès le premier rendez-vous. Oh, mais c'est pas vrai! Non! Non, 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 non! Rosario, ça c'est parce que tu lui as laissé croire ça, voilà! Je t'avais dit de rester ferme! Mais t'es sûre que t'as pas exagéré, Rosario? On était en train de manger des gâteaux, hein? Je lui ai demandé un peu du sien, je lui ai donné du mien, et subitement il me dit qu'il aimerait bien goûter à mon délicieux dessert et qu'il le voudrait tout entier. Aïe, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, ma belle, tu es très jolie, mais t'es vraiment une idiote. Hein. Oh. Tu es stupide. Cet homme te demandait vraiment de goûter à ton dessert. Ah. Vraiment? Oh, je l'ai rembarré. Je l'ai rembarré. Il faut que j'aille le voir. J'y vais. Attrape-la, attrape-la, attrape-la. Franchement, tu es vraiment bête, Rosario. Mais t'inquiète pas, car je vais t'aider à arranger ça. On va utiliser cette erreur stupide en ta faveur. Toi, écoute-moi et continue à jouer la fille offensée. Parce que les hommes adorent les femmes très difficiles. Je peux te le certifier, car je suis une experte pour ce qui est de faire exactement tout le contraire. Et regardez, je suis toujours célibataire. Ah! En fait, je le vois déjà, en train d'entrer par cette porte avec un bouquet de fleurs et en train de te demander pardon. Ah, j'adore ça! Eh bien, oui, j'ai l'air vraiment plus fine comme ça. Pas très vrai? Très fine. Fine. On a un gros problème, Elda. Pourquoi a-t-il fallu que tu deviennes amie de cette femme? Ah, tu as raison. Je n'aurais pas dû me lier d'amitié avec elle. Avec qui est-ce que je me suis liée d'amitié? Non, 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 vraiment, non, non. Je me suis liée d'amitié avec Esperanza et avec personne d'autre. Esperanza est la sœur de Rosa. Ah. Et c'est elle qui est en train de l'aider à revenir. Eh bien, mais c'est logique, non? Elles sont sœurs, elles cèdent. Qui est-ce? Qui? Mon père, excusez-moi, une dame demande à vous parler. Bonjour. Bonjour. Je viens parler avec le père Sébastien. Ah, j'imagine. Excusez-moi. Allons-y, pour que vous puissiez discuter. Merci, mon père. Tu sais qui je suis. Oui. Alors tu sais que je viens te demander de laisser ma fille tranquille. D'arrêter de lui faire du mal. De ne pas lui donner de faux espoirs. Ni l'illusion d'une relation qui ne pourra jamais voir le jour. C'est clair? Où vas-tu comme ça? À l'université. Pourquoi? Je t'ai déjà dit que tu vas en changer, alors ne perds plus ton temps. Dis-moi, cher papa, t'en as pas marre d'être toujours aussi virulent? Julia ne fréquente plus cette université. Pire encore, elle ne veut plus aller nulle part avec moi. Et tu crois que moi, je vais te croire? Qui t'appelle pour que ça te rende aussi nerveux? Tu te souviens, je t'avais parlé de Gabriel. C'est le seul à m'avoir accompagnée et protégée durant toute la période où j'ai vécu dans la rue. J'avais 5 ans. Et dès qu'il m'a vue toute seule en train de pleurer et effrayée, il m'a emmenée à l'endroit où on est allé, tu t'en souviens? On a vécu 7 ans là-bas. 7 ans. Ça semble peu, mais pour moi, c'est une éternité. Je me souviens encore quand on a appris à avoir l'air triste pour faire pitié aux gens. Pour qu'ils nous donnent de l'argent. Gabriel était le seul à pouvoir me rassurer. Parce qu'il m'a montré que je n'étais pas seule. Que je l'avais, lui. On passait tout notre temps ensemble, de gauche à droite, et j'étais toujours collée à lui. Ensuite, les années ont passé. J'ai grandi, et je suis devenue une femme. Camilla avait 12 ans. Mais personne n'y croyait parce que... parce qu'elle était plutôt...
plutôt grande, belle et débrouillarde. Et elle faisait plus que son âge. J'avais 12 ans et lui 17. Alors il me protégeait davantage. Parce qu'elle attirait beaucoup l'attention des crapules et des voyous vivant dans la rue, vous comprenez? Y compris la tienne, non? Vous savez, Camilla se battait comme un garçon. C'est pour ça qu'on la surnommait tous la sauvage. Qu'est-ce que Gabriel a à voir avec le chantage de Roberto? Je l'ai tué, Max. J'ai tué la seule personne qui m'a protégée et qui m'a accompagnée depuis que j'ai été abandonnée. C'est pour ça que tu te sentais sale. Les mains pleines de boue, comme tu l'as dit toi-même. Je l'aimais, Max. Quand j'ai eu 12 ans, j'étais amoureuse. Pour la première fois, sans même savoir ce qu'était l'amour. Mais lui, il me regardait comme une petite sœur et... Calme-toi. Calme-toi. Respire profondément. Et prends tout ton temps, ok? Il ne s'agit pas de temps, Max. Il s'agit de tout ce que je ressens à l'intérieur de moi. Peut-être que ton amour ne sera pas aussi fort ou qu'il est trop fort pour pouvoir me pardonner tout ce que je vais te dire aujourd'hui. Laisse-moi prendre cette décision, d'accord? Écoute. Je suis en train de m'ennuyer. Et tu sais bien ce que ça signifie. Pourquoi tu ne vas pas droit au but? Pourquoi elle l'a tué? Comment elle l'a tué? Qu'est-ce qui s'est passé? Un soir, des types appartenant à une bande sont venus me voir. Parce qu'elle avait infligé une raclée à l'un des types qui avait essayé d'abuser d'elle. Parce que je les ai pas laissés abuser de moi, et... Et toi, tu appartenais à cette bande, non? À ces espèces de sadiques. Camilla avait récupéré un pistolet. Elle a dit que c'était pour se défendre, au cas où les choses se passeraient mal. Et qui a donné ce pistolet à Camilla? J'en ai aucune idée. Comment ça, tu n'en as aucune idée? J'étais en train de regarder au loin. Écoute, mon ami. T'es en train de me mentir. T'es en train de me faire douter. Et je t'ai dit ce qui allait se passer si tu me mentais. Je t'ai pas dit ça? Je t'ai dit quoi? Tu vas me tuer. Tout à fait. Et adieu. Non, s'il vous plaît. Non. Et Gabriel m'avait donné un pistolet. Juste au cas où. Mais ils étaient nombreux et Gabriel ne les a pas vus venir. Les coups de feu, c'était une bande contre Camilla, contre Gabriel, contre tous ceux qui se mettaient en travers de leur chemin. Moi, j'étais là à regarder. J'étais armé, mais... Je vous jure que je n'ai rien fait parce que moi, je voulais juste que la sauvageonne soit à moi. Bien sûr. Parce que c'est toi le type de la bande qui a voulu abuser d'elle. Mais elle ne s'est pas laissée faire et elle s'est défendue. Et après, tu es allé la retrouver avec ta bande, c'est ça? Camilla était en train de crier. Elle était en train de dire à Gabriel qu'il fallait qu'il se tire d'ici. Et il m'a dit que si les choses tournaient mal, je devais tirer en l'air et que celui qui voulait me faire du mal partirait en courant. Je vous le jure, tout était si confus. À un moment donné, je ne savais plus qui tirait sur qui. Mais finalement, Camilla a fait ce que Gabriel lui a dit. Elle a tiré. Acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.